Moi, si je viens bénir Dieu, cela me dérangeait depuis que je suis revenu en Europe, ça fait 2 mois. Alors, j'ai demandé à Dieu en faisant ma prière en disant: Seigneur, si tu me ramènes là où je souhaite aller, je ne manquerai pas de te remercier. Oh, papa, là, ça, c'est mon père. Enfin, on est pendant 6 ans. Il m'a hébergé pendant 6 ans. Mais la Zagui déjà avant, la Zagui est pas naïe. Bien avant, j'étais d'abord chez lui et j'ai figué. Après, naïe aux ours. Et ensuite, je suis retourné au bercail. La bande à sport, bande à mon amouké. J'ai pratiqué du sport depuis mon bas âge. Bon, papa, Zagui soit là, il faut aussi qu'à temps soit là, on bâti 14h, 15h. Papa, d'habitude, quand il dormait, il fallait lui accorder du temps jusqu'à 14h ou 15h par là. Après, un jour, je suis allé me faire baptiser. Il m'a dit: Gaël, tu dois te faire baptiser. Je suis allé me faire baptiser dans une rivière de Djili. Dans la parcelle de papa, dans sa maison, il y avait une entrée et qui donnait à notre sortie. Et cette sortie, c'était face à mon annexe où j'étais hébergé. J'étais allé me faire baptiser et je suis entré par derrière. À 4h, toujours à 7h, 8h, comme ça. C'était vers les 7h et moi, je ne m'attendais pas à voir papa debout. J'ai sauté du baptême et arrivé chez moi, je voulais entrer dans ma chambre. Je vis papa ouvrir la porte. Il m'a appelé: Gaël, viens. Parce que d'habitude, quand papa s'est réveillé, on se mettait à genoux devant et il nous imposait les mains pour prier. Papa m'a appelé et je me suis à genoux, il a prié pour moi. Je me suis levé. Et il m'a dit ceci: parmi les enfants de ma soeur, toi tu es comme Joseph de la famille. Et moi là, avec ce sport, je peux pas t'interdire ton sport, tu vas à l'école et tu fais ton sport. Écoute ce que je te dis à l'époque, c'était en 2002. Sport au salon. Les sports que tu pratiques, c'est là que tu feras visiter le monde entier. Mais ça aussi, mais qui s'y remet toi là. Mais si tu essaies d'aller utiliser d'autres forces étrangères, tu seras frappé. Merci papa, je lui ai remercié et moi aussi je suis parti dormir. Après quelques temps, en 2005, j'ai perdu ma mère. Parce qu'elle n'a pas papa, parce qu'elle n'a maman dit. Je suis resté avec papa et maman dit. Non, ça va sport. J'ai continué toujours à pratiquer mon sport. Après, en fait, en 2006, comme ça. Après, j'ai eu mon diplôme en 2006. Et là, j'ai eu un diplôme directement avec l'équipe nationale de judo Congo. Après mon bac, l'équipe nationale du Congo de judo m'a appelé. Un an, c'était beaucoup. Après, du coup, je commence à Thaïlande, Japon, Chine, Sénégal, Maroc, 4 fois, Tunisie. Et à chaque fois, la parole de l'homme de Dieu revenait dans mes pensées. Dieu m'a trouvé sa grâce, en Belgique en 2009. La compétition à Cameroun, la Suisse, médaille d'Afrique, la Suisse, qualification aux Jeux Olympiques, là, qui est Londres, en 2012. À Londres. Après Londres. Il fallait que j'encaisse 22 000 euros. Président, la mission a joué en haut. Notre président, là. Président, où sont mes argent?
Alléluia.